Yes. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre là? Je sais pas. On va bien voir. Up the creek. Je fais une pause, je reviens plus tard. Bonne pause. Ah non, elle est violente celle-là. Sauter direct, pas patienter, voilà. Le singe! J'arrive pas à le battre! Je crois que j'ai perdu quelque chose du masque. Une blague? Je me suis fait manger par un poisson? Que j'ai raté, que j'ai pas vu. Et plouf. Oh punaise, la fleur elle coule! La feuille coule, mince! J'avais pas vu! C'est bien, on va faire un game over là maintenant de suite. C'est génial! Non, sérieux. Une fois que t'as pris la vie, te la redonne pas. C'est bien le jeu. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un piranha. La feuille va là-bas. On saute maintenant. Un. Deux, pas deux, non, pas deux, non, non, non. Attention pour le game over, est-ce que vous êtes prêts? Et prête. Un. Deux. Un. Sautez, sautez. Non, pas maintenant. Maintenant. Checkpoint. Feuille. Piranha. Sauter. Mousse. Oh bordel. Tac. Pourquoi il y a une caisse là? J'ai pas envie d'aller sur la caisse. Sauter. Feuille. Trèfle. Tac. Vie. Là ça part en diagonale et après je sais pas. Diagonale, sauter, sauter, caisse. Okay. Là il y a feuille. Plein de piranhas partout.
sauter. On attend. Sauter. J'y étais, hein. J'y étais, c'est dommage. Game over. Bon, c'est pas grave. Déjà, le niveau d'avant hyper dur a été passé, c'est déjà pas mal. Allez, on récupère un masque. Les poissons. F. Colonne. Feuille. Feuille. Là, on attend. On y va. Sauter. Hop là, caillou. Singe. J'ai perdu le masque. Oh bordel, il m'a repoussé. Ok, on recommence. C'est pas grave. Trèfle, trèfle, trèfle. Tac. Feuille. Piranha. Feuille. Mousse. On attend. Tac. Feuille. Là on attend. On y va, on saute. Caillou. Putain, je voulais passer au-dessus. Trèfle. Checkpoint. Feuille. Colonne. On attend. Là on attend. Là on saute. Trèfle. Trèfle. Mousse. Hop là. Hop là. Petit brin d'herbe. On attend. On y va. Trèfle. Trèfle. Colonne. On patiente. On patiente que la feuille revienne. Maintenant. On attend. La feuille. Là, les ruines, le singe. On attend. Ok, maintenant. 1, 2, 3, trèfle. Checkpoint. Feuille. Piranha. Tac. Là, plein de feuilles partout. Hop, la brin d'herbe. On attend. On attend. Top, maintenant. Tac, trèfle. Caillou. Là, je comprends pas. Tac tac tac. Ok, c'est bon. Et là, la feuille. C'est là où on en était tout à l'heure. Hein. Maintenant. Feuille, on attend. On attend. Piranha, il saute. Feuille. Non, là, elle est violente. On saute maintenant, ici. Top. Voilà. Et là, il y a le niveau bonus. Du coup, on va aller au niveau bonus. Si ça peut faire récupérer des vies, tant mieux. 30 caisses? Wow. Raté. J'ai complètement raté. Ah, oh, c'est hyper dur. C'est pas grave. Sur ça, on perd pas de vie. C'est pas grave. On peut recommencer autant qu'on veut. Tant mieux d'ailleurs. 30 caisses. J'en fais même pas 10 quoi. Raté. Punaise.
Bon, je l'ai raté, j'ai complètement raté. Ouais, j'ai complètement raté. Mais c'est pas grave, il y a deux vies à la fin. Si je peux au moins récupérer les deux vies de la fin, ça serait chouette. On va tracer comme ça. Voilà, deux vies, c'est très bien. C'est pas grave. Tant pis pour les caisses. Allez, trèfle. Trèfle. Encore une vie, c'est gratuit. Sauter ici, on attend. On attend, on saute. Feuille. Tac, et fin du niveau. Ah, j'en ai raté des boîtes. J'en ai raté des boîtes. Reaper roue, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis obligé de prendre l'autre héros. C'est quoi ça, Reaper roue? Les attaques directes ne lui font rien. Oh là là, ça a l'air d'être un coyote fou. Qu'est-ce qu'il lui a fait, Néocortex? Ok, d'accord, j'ai compris. Je perds des vies ou pas? Je sais pas. Oui, je perds des vies. Mais j'ai pas de perspective. Oh, je meurs parce que j'ai pas de perspective. Faut le placer. Comment je le place? Il reste au fond là. Ah, il peut m'attaquer, d'accord. C'est quoi ton pattern? C'est quoi ton pattern? J'ai pas compris. Raté. T'as toujours la même pattern. Attendez, je me gratte l'œil. Je pense bien que t'as le même pattern. Je pense que t'as le même pattern, oui. Perspective sur 20. C'est pas grave, c'est pas grave. Là vraiment ça me dérange pas. Là ça me dérange pas. Enfin même si je meurs que sur ma maladresse, hein, mais ça me dérange moins. Voilà, ça par exemple. Oh punaise. Ok, je l'ai touché une fois. Deux fois. Oh punaise. Faut le toucher que trois fois, d'accord. Donc on va attendre ici. Attendre. Pourquoi je tombe comme ça? Bon, je l'ai, j'ai compris le truc pour les placer, mais...
C'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué, hein. C'est juste énormément de maladresse. Voilà, j'ai juste glissé. J'ai juste glissé. Ouais, je place très très mal mes doigts sur le joystick. Voilà, par exemple. Parce que j'arrive pas à faire la perspective dans ma tête. C'est juste ça le problème. Je déconne pas, c'est juste ça. Voilà, j'arrive pas. Mais sinon, c'est simple, hein. Oh, punaise, mais c'est moi qui me la prends. J'ai l'impression qu'il va jamais au fond. J'ai vraiment l'impression qu'il ne va jamais au fond. Donc au fond, je serai vraiment en zone safe. Pas grave. Oh punaise, maintenant il va au fond. Non, je l'avais, là je l'avais. Ah, je suis dégoûté, je l'avais. Allez, la caisse, faut avancer là. Je l'ai raté, sérieusement. Oh punaise. Ok. J'ai glissé quoi. Allez, on y retourne, hein.
On y retourne. Faut attendre, là on attend. On attend, maintenant. Là je vais au fond. Là je vais ici. Là je vais ici. Là je vais là. Là je retourne là. Là ça là je la lance. Je sais pas pourquoi. Ah je peux mettre sur les côtés. Et pourquoi j'ai récupéré un masque? J'ai récupéré un masque. Ok. J'ai plus de masque. Ok, je peux pas lui sauter dessus. Oui, mais en même temps, ça me l'avait dit. Les attaques directes ne lui font que dalle. Et là je tombe là, mais sérieusement. Pourquoi je tombe? J'ai aucune raison de tomber, j'ai aucune raison de bouger. Je bouge quand même. On va se mettre là, on attend. Voilà, et là on attend, on ne bouge pas. J'ai raté. J'ai récupéré un masque. Il va venir au fond, donc on va rester là. Voilà, il y a juste à temporiser et à attendre. Là, on attend jusqu'à ce qu'il vienne là, au fond, et tranquillement. On attend. Là, tac. Trop tôt, d'accord. Faut que je la lance quand il est sur... Là-bas, d'accord. Genre maintenant. Non, j'y étais. Oh là là. J'y suis, hein. Fin de partie. Là, je peux rester là. Maintenant il bouge comment? D'accord.
fait ce triangle là, d'accord. Mes flûtes. Il va faire les trois du milieu et celle d'en bas. Trop tôt. Faut que je la lance quand il est vraiment ici. Super dur en fait en termes asynchro. Non, j'ai plongé, je l'aurais touché en plus. Oh, donc là on, la phase 1 ça va. Enfin, ça va si je me plante pas quoi. Maintenant, comment il fait? Comment il bouge? Ok, il bouge sur les... sur la croix directionnelle. Okay. Raté. Faut que je la mette quand il est là. On attend. Punaise, non pas maintenant. Maintenant. Touché. Voilà. Comment ça, c'est pas fini? Ah bon, j'ai eu peur. Heureusement qu'il y avait les trucs sur le côté quand même. Allez. Troisième niveau du monde 2. D'accord, ça c'était juste comme ça. Mais là il y a un truc sur la gauche. Je la veux la vie. Dommage. Ça m'a donné combien? Une vie? Deux vies? Trois vies? Ça bouge ça. Tac. Voilà. Oh mon dieu, les chauves-souris. C'est hyper flippant. Okay.
Allez, checkpoint. Et là, je peux pas l'avoir, ça. La vie, oui, mais celui-là, non. Ça, je sais pas à quoi il sert, lui. On va pas prendre le risque. Hein. Punaise, je l'ai eu, j'ai pas fait exprès. Alors par contre là... J'ai perdu le masque que je venais d'avoir. Tac. On attend. On attend. On vire le caméléon. Ou l'iguane, ou je sais pas ce que c'est. Enfin, bref, c'est du lézard. Ah! Et maintenant lui il saute. Il me fait toucher. Je fais. Oui, d'accord, ok. Bon. Soit. Oh, oh. Ok. Ouais, de la plateforme nulle! Yes. Je dis ça, mais en fait, j'adore les jeux de plateforme. Il y a du feu, hein. Tant pis pour la caisse, hein. Ah! Sauter, sauter, on attend. Sauter, sauter, on attend. Sauter. Ok, 0 sur 3. Ah ouais, j'ai tout raté. Il y a des caisses derrière. Hein. Oh là, il vénère lui. Des pommes, des pommes, des pommes, pommes, pommes. Ça, ça va se détruire. Voilà, mon dieu, mon dieu. Ça se détruit pas, c'est une balance. Ok. Bonjour. J'ai mouru parce que j'ai voulu toucher la chauve-souris. Non, sérieusement. On va attendre. Punaise! Le checkpoint il est sous mes yeux quoi! Ça on passe, c'est pas un problème. Ça, ça va. J'ai. Maintenant! Chauve-souris. Tac, on attend. Maintenant. Maintenant, checkpoint. Yes. Pourquoi je suis allé en diagonale? Salut Eleanora. Comment on va? Je suis ok, je suis pas allé en diagonale. C'est le mur qui m'a fait aller en diagonale.
J'ai pas compris. J'ai pas compris comment passer. Ah là là. Bien, reposé, levé depuis 1 heure seulement, en mode flemme. Bah écoute, bien, reposé aussi, levé depuis 11h30. sachant que j'avais mis mon réveil beaucoup plus tôt. Mais bon, levé à 11h30 pour commencer à streamer à midi. Je peux te dire que ça a piqué un peu. Un petit peu. Donc le temps de prendre un café, une douche. Hop là. C'est un peu en speed. Résultat, j'ai commencé à midi et quart en vrai. Le café dans la douche en mode speed. Ouais non, parce qu'après il prend l'eau et tout. Sinon, ça, à la limite, je me serais fait un déca quoi. Quitte à arroser le café. Mais c'est nul, je vais en plein dedans alors que la souris passe. Oh là là. J'ai même pas fait mon lit quoi. Je déteste ne pas faire mon lit et j'ai pas eu le temps de le faire ce matin. Ah mais il est... la vie était sur la droite. Oh là là. Pareil, je fais toujours mon lit première tâche de journée pour essayer d'être productif. Exactement, exactement pareil. Enfin première tâche non. En général je fais le lit après le café et la douche parce que le temps que je déjeune, j'aère l'appartement. Et juste après que j'ai fini le petit déj, du coup fini d'aérer, faire le lit. Même pas pu prendre mon petit déj correctement. En vrai, j'ai juste pris un café, un biscuit, un jus de fruits. Normalement, je déjeune plus correctement. Et là, j'ai pas eu le temps. Je n'ai point eu le temps. Bah, après, c'est ma faute. Hein. Rien ne m'obligeait à commencer le stream à peu près à l'heure. J'aurais pu pouvoir décaler une heure, etc. Mais je suis homme d'engagement. Quand je m'engage, je fais les choses. Sauf contrainte. Exceptionnel. Oui, la vie. Yes, sauter. Oh, parfait. Je ne déjeune jamais, donc bon, mauvaise habitude. Ah ouais, clairement, mauvaise habitude. Le petit déj, c'est ton énergie de la journée. Ça, c'est important. Autant, par contre, le midi, j'ai tendance à sauter le repas ou alors à faire un truc vraiment très à l'arrache ou très light, hein, faut dire ce qu'il y a. Autant le petit déj, je le rate pas quoi. Par contre le soir je mange plus. La ponctualité et la politesse des rois, exactement. Bon c'est frustrant, j'arrivais à le passer ce passage tout à l'heure. J'ai de très mauvaises habitudes alimentaires, je ne mange que très rarement à midi ou alors je viens. Ah oui, donc pas de petit-déj, pas manger le midi. Ah ouais. Tu manges bien le soir quand même parce que là ça... Ton corps il doit prendre cher, tu dois avoir un état de fatigue assez important du coup. Je sais pas, hein. Faire attention à soi quoi. Ça juste ce soir, d'accord. Sérieusement, je me transforme en chauve-souris la nuit, je vais me nourrir sur les gens innocents.
Tu vas récolter le sang des innocents. Impie, sacrifice pour Mephisto. Ça y est, j'ai peur. Oh, ok, j'ai peu de tempo. J'ai compris comment temporiser les choses. Ah, mais y'a un truc là. Attendez, y'a quelque chose là. Voilà. J'avais complètement raté tout à l'heure. Au bûcher! Sorcier! J'ai toujours mon masque? Ouais. Non, je suis au courant que c'est pas bien du tout. J'essaie de changer ça petit à petit. Ouais, ouais. Après, c'est sûr, faut pas changer ça en claquant les doigts. Parce que sinon, là, par contre, ton corps va pas aimer du tout. C'est vraiment, faut y aller petit à petit. C'est comme la cigarette. Bon, je fume pas, hein, bien sûr. Hop là. Surtout que j'aimerais reprendre le sport, comme les salles viennent de rouvrir. Je vais bientôt enfin être vacciné. Je sais pas fort, je me... Ah et oui, il va te falloir un peu plus d'énergie, tout à fait. J'ai eu ma première dose de Pfizer le 31 mai. Je vais avoir ma deuxième dose le 4 juillet. Non, j'ai pas eu la première dose le 31 mai, je l'ai eu une semaine avant, pardon. J'ai eu le 24 mai ma première dose. Le 31 mai, c'était le stream de 30 heures, j'ai compris. Mais le sport, ça serait bien que j'en fasse un peu plus, au moins des exercices, parce que j'ai jamais été un grand sportif, enfin du moins depuis mi-collège, parce qu'avant, jusqu'à la 5ème, je faisais pas mal de sport. Mais après, j'ai eu des soucis de dos, et ça a été très très compliqué, j'ai été dispensé jusqu'à la terminale de sport. En fait. Mais il faut que je fasse quelques exercices. On m'a toujours dit que le vélo c'était bien, du coup maintenant je fais un peu de vélo, mais c'est pas ça qui va... C'est mon vélo, c'est mon transport quotidien, c'est pas, je vais pas aller m'amuser à faire un marathon de vélo. Ce qu'il faudrait que je fasse un jour d'ailleurs. J'ai un défi comme ça, faudrait que j'arrive à le réaliser. Mais par contre, faudrait que je me muscle un peu plus torse, bras, ça c'est clair. Je le sais depuis très longtemps, le kiné me l'a encore dit récemment. Mon chirurgien me l'a dit aussi récemment. Il va falloir que je m'y mette. En Belgique, ils ont mis 42 jours entre deux doses. Ah ouais. Pour le dos, piscine. Ouais, il y a piscine aussi, mais je suis un peu pudique. Donc la piscine, je suis pas fan. Et en plus de ça, spoil, je sais quasiment pas nager en vrai. Mais vraiment pas, j'ai une petite phobie de l'eau. Et je l'ai jamais travaillé, et je sais qu'il faudrait que je la travaille. Il y a des phobies que je sais que je pourrais pas réparer. Alors la phobie de l'eau, oui, je pourrais la réparer, c'est juste que je fais rien pour le faire. Il m'énerve ce caméléon là. Il faut renforcer pour aider au maintien complètement. Bah en vrai là depuis depuis avril 2020 du premier confinement jusqu'à quasiment février là, je me suis tapé une hernie discale sciatique. Donc sous tramadol, sous morphine, plus ceinture lombaire, etc. Elle est derrière la ceinture lombaire d'ailleurs. De temps en temps je la porte encore quand j'ai mal. Et en février dernier je me suis fait opérer. Et depuis... alors déjà avant j'avais du kiné régulièrement. Et là depuis je continue le kiné. Mais j'ai pas l'impression que ça m'aide à quoi que ce soit. Et de temps en temps j'ai encore la ceinture lombaire quand même. Notamment le soir quand je reste assis tout le temps, comme toute la journée pour les streams hein, notamment. J'ai besoin de la ceinture lombaire. Ouais. J'ai une belle cicatrice de 14 cm dans le bas du dos. Celle-là, je la ferai pas tatouer. J'ai pas envie. Je l'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi. Elle m'a marqué. Allez, 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 allez. Oui, yes.
streamer, c'est quand même vachement sédentaire. Ah ouais, ouais, complètement. Hein. C'est pour ça qu'il me tarde de reprendre les ateliers, mais malheureusement, on pourra pas quoi, reprendre les ateliers avant novembre. C'est pas parce qu'il y a une interdiction ou quoi que ce soit, enfin jusqu'à quelques semaines-ci, mais c'est parce que septembre, fin août, septembre-octobre, c'est les mois de préparation pour les ateliers, et donc on va beaucoup de réunions. Et donc les ateliers commencent en novembre, j'ai 3 semaines d'ateliers en novembre, ça c'est déjà calé. Néanmoins, à part ça, j'ai pas grand chose pour l'année qui arrive, donc j'espère quand même avoir des ateliers. Et ça fera de mon côté moins de stream, peut-être que les camarades streameront à ma place, ce que j'espère. Hein. De toute façon, à la base, j'ai toujours dit que je voulais plus les voir eux à l'écran que moi. Moi, je suis plutôt sur le terrain en général. Mais bon, là, sur les 15 derniers mois, c'était compliqué. Du coup, je me suis mis plus au stream. Pour avoir une activité, même si j'ai un semblant d'activité en vrai, tout simplement, même si c'est totalement bénévole, c'est avoir un rythme et une activité semi-professionnelle. Voire professionnelle, parce qu'en vrai, je considère que l'association, c'est du travail. Même si je n'en gagne rien, ça reste du travail. J'ai jamais été sportif, genre. De ma vie, genre vraiment, je garde un physique assez fin. Bah, quand tu vois mon poignet, hein, aujourd'hui je suis à 50 kg, pour te dire. Malgré des années de. À 2 litres de soda par jour. Ah ouais! Ah oui, c'est beaucoup, j'ai envie de changer ça. Ce qui me trahit, c'est la bedaine de petits man boobs. Bon, ça encore, oui, voilà, ça veut dire que t'as de quoi te muscler. Tu peux. Hop là! Ah, purée! Tu vas pouvoir muscler ça rapidement, je pense. Parfois un tout petit peu de mal à t'entendre avec le son du jeu. Pardon, mais c'est parce que j'ai le micro trop loin. Je baisse le son du jeu, du coup, pardon. Voilà, normalement, c'est mieux. Mais je suis loin, et voilà, quand je suis sur la console, je suis pas en mode PC. Du coup, quand je suis en mode PC, je suis comme ça. Et quand je suis sur la console, je suis un peu plus reculé. Pardon. Avec le micro près, c'était nickel. Ouais, ouais, mais c'est faut que je fasse attention. Mais j'ai pas encore. C'est un peu le bordel en ce moment sur le setup, donc. Parce que quand je suis comme ça, vraiment, je suis sur la console. Mais quand je me décale de 90 degrés comme ça, je suis sur l'ordinateur. Pour l'instant, l'appartement est pas foutu pour faire ce que j'ai envie. Mais j'essaye de trouver des solutions. Donc je vais essayer de le garder comme ça, le micro. Je promets rien. Je peux avoir tendance à me reculer encore. Hein. Et à sauter dans le vide avec Crash Bandicoot. Hop là. Re en dos. Mais après, pour revenir au vélo. Purée, je l'ai raté. Parmi les objectifs de la campagne, il y a un défi vélo que j'aimerais faire, mais que j'aimerais embarquer des gens avec moi. Vraiment faire tout le canal du Midi à vélo. Mais même si la campagne n'est pas atteinte, je pense qu'on le fera quand même. Peut-être l'année prochaine. Parce qu'en vrai, c'est facile à mettre en place. La seule chose qui est difficile, c'est de streamer ça en direct. Ça, c'est hyper difficile, je sais pas si ça sera possible. Mais faire un peu de story, etc. Ou alors, en journée, quelqu'un fait le stream sur autre chose et de temps en temps prend des nouvelles de où est-ce qu'ils en sont les vélos. Ça peut être fait comme ça aussi. Oh, ça m'énerve. N'ayant jamais été dans une salle de sport, je dois avouer que c'est assez intimidant. Je suis complètement d'accord avec toi. Les seules salles de sport que j'ai fréquentées, c'est vraiment au collège, lycée. Même si j'étais dispensé, j'allais quand même en sport parce que... J'étais obligé. Tu feras l'arbitre, hein, Guillaume? Oui, bien sûr. J'avais quand même des appréciations sur le bulletin. Il y a marqué dispensé, mais il y avait quand même des appréciations en mode oui, l'arbitre, il est cool, il est gentil, il est impartial et tout. C'était chouette. Mais sinon, j'ai jamais mis les pieds dans une salle de sport. Et il faut dire, enfin, l'abonnement dans une salle de sport, ça. C'est pas donné, quoi. C'est vraiment pas donné, hein. Hop là.
trop hâte. Pour de vrai, Ando, t'as trop hâte? Parce que je... Enfin, cet été, je vais en faire pas mal et je vais peut-être même le faire juste de mon côté sans rien dire. Mais il y a des chances que j'embarque des gens avec moi, quoi. Juste comme ça, pour le fun. Mais sinon, l'été prochain, on fait le vrai truc. Ça, ouais, j'ai vraiment envie. C'est vraiment, logistiquement, c'est pas compliqué à mettre en place. Ça demande, en termes de papier d'administration, parce qu'il y a quand même une question d'assurance et tout, ça demande peut-être 2 jours de travail. Question de matériel, peut-être 1 jour de travail et encore. Et après, la logistique pour stream, ça, bon, c'est hyper compliqué, c'est quasi impossible, je pense. Mais si quelqu'un est en stream en même temps, faisant autre chose, et de temps en temps prend des nouvelles, et nous, on est en cam sur Discord, en mode blabla, franchement, ça peut le faire. Le nombre de fois que j'ai réussi à me faire dispenser à l'école avec des motifs foireux... Ah ouais? Ah non, moi, ils étaient toujours justifiés, par contre. Cet été? Ça va être chaud, je suis ouvert bouqué, déjà bouqué. Non, j'ai dit moi cet été, Ando, pas vous, moi. Mais peut-être que mon frère, mon beau-frère et mon père m'accompagneront. Je leur en ai parlé comme ça. Ça dépend, il y a des gyms, genre Basic Fit à 20 balles par mois. Je me fais toucher, quoi. Mais genre, t'as aucune aide coaching, sauf que si tu payes en plus. 20 euros par mois? Ça me paraît vraiment pas cher, hein. Bon, par contre, il va falloir que je me remette au sport avant. Ah ouais, Ando, par contre, il faut avoir l'endurance avant. Tu te lances pas comme ça sans entraînement, clairement pas. Donc vraiment, remets-toi au sport, va pédaler. Bah, ne serait-ce que pour tes trajets quotidiens, rien que ça déjà, c'est un super entraînement. Là, par exemple, hop là, en avril, je crois que j'étais à au total... En avril, je faisais 19 km par jour, mais pendant 5 jours toutes les semaines, quoi. Mais parce que j'avais pas le choix. Mais ça m'a jamais dérangé, bien au contraire. Avec des côtes et tout, hein. Alors que le canal du Midi, en vrai, il y a pas de côtes, hein. C'est quasiment tout plat. Dans ma ville, oui. Franchement, j'irai me renseigner, du coup, si je trouve un truc forfait comme ça, Eleanora, ça m'intéresse. Je sais, mais j'ai pas de la place pour le moment de ranger un vélo chez moi. Bah, le vélo, tu mets pas chez toi, tu mets au garage, dans une cave. Mais si on déménage, mon vélo, qui est chez mes parents... Ah, t'as quand même un vélo, va sûrement suivre, d'accord. Donc t'as déjà une bonne forme physique. Oui et non, parce que pour l'instant, je me sens pas capable de faire les 60 km que j'aimerais faire en première étape. Parce que le canal du Midi à vélo, en étape, parce que vraiment, le trajet, il est déjà prêt, hein. C'est Toulouse-Castelnaudary, 55 km. Castelnaudary-Carcassonne, 52 km. Hop là. Sans compter le fait d'aller jusqu'à la cité, le château de Carcassonne, faut compter un peu plus. Parce que tant qu'à faire, autant faire du tourisme avec. Carcassonne-Narbonne, on est quasiment à 80-90 km, mais... Alors dans la journée, mais avec une étape grosse pause où il y a un lac qui est magnifique. Hop là, il y a un lac où on peut se baigner et tout. Narbonne, on peut faire une journée pause avec 15 km de vélo pour aller jusqu'à la plage. Hop là, punaise. Ensuite, Narbonne-Béziers, je crois qu'il y a une soixantaine de bornes. Béziers 7, il doit y avoir 60-70 bornes. Et si, voilà, ça c'est l'objectif principal. Si, sur le moment, on se dit, bon, tant qu'à faire, parce que ça sera forcément au mois de juillet, alors pas cette année, mais l'année d'après, et au mois de juillet, il y a le Festival d'Avignon, que je ne rate jamais. Je recommande fortement le Festival d'Avignon, le plus grand théâtre du monde, il y a du théâtre, il y a des choses dans la rue, il y a du théâtre, il y a de la danse, il y a du cirque, il y a plein de choses. Du coup... On pourrait faire 7 Montpellier, Montpellier-Nîmes, et ensuite Nîmes-Avignon, ça ferait 3 étapes de plus. Mais là par contre, c'est plus du forcément du tout plat. J'ai peur de la cave, oh c'est sérieux. Attention avec ce genre de gym, tout de même pas de guide, c'est du low cost. Donc tout ce que tu veux en plus, tu le... Ouais, tu m'étonnes, mais bon. Ça reste faire de l'exercice, mais 20 balles ça me paraît vraiment pas cher, ça me paraît bizarre. Salut Imra, oui sur Crash, mais je galère à mort sur Crash.
te réveille. Ah bah ok, d'accord, très bien. Réveille-toi tranquillement. Ouais, non, Crash, vraiment, je galère à mort. Je suis vraiment pas bon. Bon, en même temps, je papote, mais... Après j'habite dans une petite ville, c'est pas les prix de Paris non plus. Ouais, c'est sûr. Mais bon. J'ai fait le 1 à 100%, tu me donnes envie de faire les deux autres. T'as fait le 1 à 100%? Je suis sur le 1 là. Le 100%, moi le 1, même pas je le tente. Même pas je le tente. Punaise, sérieux. Mais j'ai... Il me repousse, le truc me repousse. Est-ce que je peux lui sauter dessus? Ah oui. Bon, d'accord. Bon, les plateformes de tout à l'heure. Blub blub blub. Ah ouais, ouais complètement. Hein. Allez, on y croit. Là, il va falloir les enchaîner par contre. Oui, checkpoint. Bon là, il y a le rouge qui me fait qui va faire bobo. Hop là, voilà. Je me le prends en pleine face, mais... Lui, je peux l'avoir. 1, 2, 3, top. Ok. Chauve-souris, on attend. Chauve-souris, on attend. J'ai eu la PS1 depuis le début. Je fais gaffe à la chauve-souris. J'ai eu pas mal de jeux dessus, mais Crash Bandicoot, je suis complètement passé à côté. Ça n'a jamais réussi à accrocher mon regard. Bah en fait, à la base, je connais Crash Bandicoot 1, je l'avais sur PS1 aussi. Mais je l'avais fait, j'étais tout petit. Du coup, je ne m'en souviens absolument pas. J'ai jamais fait les autres. Je me dis, c'est l'occasion de le refaire. Mais du coup, je comprends pas comment j'ai pu faire ce jeu quand j'étais gamin, quoi. Il est hyper dur. Oh oh. Maintenant. Checkpoint. Je sais même pas combien de vie il me reste. Ah, c'est pas ce bouton, c'est l'autre. Non, c'est pas ce bouton, c'est celui-là. Génial, c'est ma dernière vie. Oh, je suis heureux. Je suis heureux, je vais tomber juste après. Voilà, je suis mort. Ah oui, avec Spyro, je trouve qu'ils sont iconiques, la place. Bah, à la limite, je me souvenais plus de Spyro, tu vois. Pareil, avec Spyro, t'es passé à côté, d'accord. Mais Spyro, premier du nom, je l'ai fait en stream. C'était quand? C'était quand? C'était en début d'année là. C'était en février je crois. Février, mars. J'ai beaucoup aimé. Mais à côté de ça, à la limite, je trouvais plus... Bon, c'est pas du tout le même type de jeu, hein. Quoique. Plateforme 3D, plateforme 2D, ça peut équivaloir. Ouais, vous m'avez compris. Mais à la limite, je préfère Spyro quoi. Hop là. Parce que là, j'en chie. J'en chie beaucoup. Je suis au début du monde 2. J'ai commencé le stream à midi. Donc vous pouvez imaginer combien de temps j'ai passé sur le monde 1. Ah, ça se moque. T'es plus FF, Resident Evil, Metal Gear Solid. C'est quel niveau celui-là? Monde 2, niveau 3 je crois. FF, je dois reconnaître que je n'ai fait que le 3.
et je l'ai fait sur Nintendo DS quand il avait été édité dessus. C'est le seul que j'ai fait. J'ai pas voulu faire les autres, mais j'en garde un très bon souvenir. J'avais plus de 30 heures de jeu dessus, et je n'ai jamais pu terminer le jeu. J'étais à la tour finale, et je vous raconte ce qui s'est passé. À ce moment-là, si je me trompe pas, on pouvait avoir qu'une seule sauvegarde sur le jeu, on ne pouvait pas en mettre 3. Ou alors si, mais je me souviens plus et comment ça s'est passé. Et mon petit frère, à l'époque, j'étais ado, hein, donc il était plus petit encore. Il a voulu que je lui prête ma DS, et je lui avais prêté. Il a voulu jouer, j'ai dit, bon, tout ok. Et en fait, il avait pris ma sauvegarde, et il a écrasé, il a recommencé. Alors que j'étais vraiment à la tour finale, et depuis, j'ai plus jamais retouché le jeu parce que j'étais dégoûté. Ça m'a fait mal. Sinon, après Resident Evil, mais ça m'intéresse absolument pas. Les jeux qui font peur, je déteste ça. Comme les films qui font peur d'ailleurs. J'ai vraiment horreur de ça. Et Metal Gear Solid, je les ai jamais fait non plus. J'ai vu des streams, des let's play, mais je n'ai jamais fait les Metal Gear Solid. Je suis complètement passé à côté. Oh purée, j'ai compris comment monter là-haut. En même temps, je vais pas monter en bas. C'est parti, une heure. Oui, j'ai quasiment pas avancé en dos. Les FF, les PS1 et 2, tant que t'as fait 7, 8, 9, 10 et 10 et demi, d'accord. Après, par contre, les FF, j'en possède pas mal. Hein. Je les ai jamais lancés, mais j'en possède pas mal. Sur Steam, j'en ai beaucoup, je sais plus lesquels j'ai. Et sur Switch, j'ai... Hop là, sur Switch, j'ai... Ok, j'ai qu'à casser le bureau. J'ai quoi? J'ai FF 10, 10, 2. J'ai le 12 Zodiac Age. Et j'ai World Final Fantasy Maxima, je sais pas quoi là. Hop là. Je les ai jamais lancés. Bon, c'était pour la collection en plus, mais. Les Resident originaux 0, 1. Comment ça, il y a un Resident Evil 0? C'est quoi ce bordel? 1 Remake, 2, 3, Code Veronica, ça reste une de mes séries préférées. Après, c'est devenu n'importe quoi, je pense. Je peux pas juger, je connais absolument pas la série. Je vois le principe, mais je connais pas. Le bureau. Hop là. Donc je ne peux pas. Ça m'intéresse vraiment pas les Resident Evil, vraiment pas. Hein. C'est quelque chose qui me passe complètement au-dessus. Quoi. Hop là, je me remets là. Il y a eu un 0, c'était une exclu GameCube, un préquel au 1, mais sorti bien après. Ah ouais, d'accord. Étrange. Hop là. Plateforme. 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 Plateforme, 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 checkpoint. Ok, je suis à combien de vies là? 4. Toi, hop là, c'est bon, ça passe. Je vais en plein dedans, mais ça passe, tu parles, je vais juste en plein dedans. Non, en plus, lui, j'ai juste à tracer, il saute au-dessus de moi, quoi. Hop là, voilà. Tac. Hop là, lui, il faut le tempo. Donc, c'est, je saute. 1, 2, tornade. Tac, voilà. Et là, on attend. Et je vous lis. Pour le coup, j'ai jamais accroché à la série, mais faudrait que je teste pour me refaire un avis. Ah, ça, je peux pas juger. Il y a eu un 0, c'était une excuse GameCube. Ah, bah oui, c'est le message que je viens de dire, pardon, excuse-moi. J'avais juste raté le message d'Imra. Hop là. Chauve-souris. On trace. On trace rien du tout. Louboutin. Comme dirait. Comment il s'appelle ? Nazibo dans Diablo Heroes of the Storm. Punaise, j'avais juste à le tornade, je l'ai même pas tornade. Chauve-souris. En patience. On y va. Non! T'es sérieux là? Dégueulasse. Je crois que le jeu il m'en veut. Tornade.
On attend. Chauve-souris, on attend. On y va. Tac. Et on saute checkpoint. D'où il n'y a pas le checkpoint? Game over, vous êtes sérieux? Mais non. Le 1 remake remaster sur Steam est un bijou, un exemple, je dirais. Mais là, c'est le côté fanboy qui parle. Ah. Détruit toutes les cases sans mourir pour gagner une gemme spéciale. Toutes les cases sans mourir, vous êtes sérieux? Et c'est moi qui joue, hein. Je le rappelle, le jeu. Et tu veux pas que je meure? Ah bah dis donc. Voilà, le caméléon. Horreur, malheur. J'ai vraiment un gros problème de perspective. C'est un faux jeu 2D, en fait, c'est ça qui me dérange. C'est pour ça que j'ai problème de perspective. C'est de la 2D et demi, quoi. Donnez-moi un vrai jeu 2D. Et ça ira mieux. Et ne me sortez pas juste 2D à lancer. Je pourrais le faire, ils sont à côté. Checkpoint. Genre Splasher. Arrêtez avec Splasher! Purée! Splasher est un jeu particulier. Et d'un style particulier. Je parle d'un jeu d'aventure. Ah. Splasher était très bien. Chauve-souris. J'arrive pas à l'avoir celui-là. Chauve-souris. J'allais faire la blague du jeu à 2D par les EJDR, mais je vais m'abstenir. Ben voilà. Je viens de le faire. Fait toucher sur ça, j'ai honte. Checkpoint. Oui, mais c'est pas ça que je voulais, mais c'est pas grave. Allez, les plateformes. 1. On y croit. Mais c'est pas possible! Voilà. Je passe un message à des développeurs, développeuses de jeux vidéo. Faites un jeu où je gagne. Où je suis doué. Yes. Checkpoint. Lui il va me faire peur. Non, lui je trace. Voilà. Ok. 1, 2, tornade. Chauve-souris. Non, 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 non. Oui. Non. Panique. On trace. Un, deux, tornade. On attend. On attend. On y va. Tac, tac, et on saute. Checkpoint. La musique, elle est super chill. Ouais, la musique est chouette. En général, on est plus sur un problème de chasse clavier que sur un problème de difficulté du jeu. Je vois pas du tout ce que tu parles. C'est quoi le pattern là-dedans?
Punaise! C'est quoi le pattern? Je l'ai pas. J'ai pas le pattern. Quand les trois sont rentrés, tu peux y aller. C'est tendu. Hein. Okay. Ok. Ok. Lui, il faut que je l'écrase. Maintenant. Ok, il y a des chauves-souris, j'ai le droit de me mettre au bord. Et là, on attend. Et il y a un lézard. Un iguane, un truc là. Un reptile. Chauve-souris. Sauter. On attend. Sauter. Sauter. Non! Non, 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 non. Oh. Maintenant. Maintenant. Lui, on attend. Lui, on attend. Lui, on attend. Raté. Chauve-souris. On attend. Chauve-souris. Maintenant, sauter. On attend. Chauve-souris. Sauter. Tornade. 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 Sauter. Là, c'est la balance. La balance. La balance. Une vie. Une balance, c'est plus une bascule qu'une balance d'ailleurs. Non, oui. Oh la... C'est dégueulasse. Ok, on attend. C'est dur, hein. C'est très dur. Du die and retry, bah écoute en fait. On peut dire ça, ouais. Après, dans un sens, tous les jeux d'aventure sont du die and retry. Dernière vie. Quand il y a eu les 100 mangues pour récupérer une vie supplémentaire, j'ai eu l'impression d'avoir le jingle de bonne réponse dans La Famille en Or. Je sais pas si vous avez connu. Lequel, celui de Chavannes?
sais plus s'il y avait ce jingle là chez De Chavan, mais sinon je pensais à la version d'avant à la base. Mais peut-être que c'était le même jingle chez De Chavan. Enfin, pas jingle, bruitage plutôt, chez De Chavan. La seule chose dont je me souviens de ça, c'est la famille en plomb des inconnus. Oh bah oui, bien sûr. Mais j'y arrive plus, game over. Je n'y arrive plus. Fin de partie. Et cette vie là, il y a cette vie là, celle-là, elle me nargue depuis tout à l'heure. Cette vie comme le film. Il y a un film qui s'appelle Cette vie, je connais pas. Avec Will Smith. D'accord, je connais pas du tout. Famille en or va revenir. Ça y est, j'ai dit la famille en or, ça a marqué. Écoutez bien quand ça apparaît. Je sais pas combien j'en suis, mais écoutez bien. Attends, la famille en or va revenir en vraie émission, ou t'as dit ça juste par rapport au fait que les mangues bruitent tout ça? Mais là, l'émission va vraiment revenir? Je connais pas non plus. Ouais. Je parle de l'émission, elle va revenir de vrai. Ah non, avec. Mais qui c'est qui va l'animer? Parce que la famille en or. Attendez, juste un point sur ça. La famille en or, c'est une vieille émission, on est d'accord. Dans les années 90, je sais plus comment il s'appelle, mais j'ai sa tête. Ensuite, par là, il y a eu deux animateurs sur la une d'ailleurs. Ensuite, c'est arrêté. Plus tard, c'est revenu avec De Chavan, ça s'est arrêté. Plus tard, c'est revenu, mais sur TMC avec un humoriste. Comment il s'appelle? Ah, il aime bien les jeux de voiture et il stream de temps en temps sur Formula One. Arnaud de sa mère, c'est ça. C'est Arnaud de sa mère qui l'animait. Devine qui va l'animer. De Chavan? Non, De Chavan, en ce moment, il est sur C8 et il anime pendant 2 semaines à prendre ou à laisser. Parce qu'il était plus sous contrat avec TF1, du coup C8 l'a récupéré, mais uniquement pour 2 semaines, pour apprendre ou à laisser. Devine. Une famille en or? Ben là, comme ça, tu me dis devine, je dirais Hanouna, mais je vois pas l'intérêt. Hanouna, il est plus sûr à prendre ou à laisser. Je vois pas pourquoi Hanouna reprendrait une famille en or. Ou alors, ça ferait très cliché, vraiment, il serait très très cliché, quoi. Excusez-moi, mais entre les messages que j'ai et ma réflexion, le jeu... Faut être un peu plus explicite sur le chat, je suis vraiment désolé. Combal? Camille Combal? Mais Camille Combal, c'était des rumeurs, ça fait déjà 3 ans que les rumeurs avec lui sur la famille en or. Et ça n'a jamais été concrétisé. Sérieux, c'est ça? Parce que Combal, il est plus sur des trucs un peu plus innovants qu'autre chose. À part reprise de Qui veut gagner des millions. Mais sinon, il y a Plan C avec Camille Combal. Il va animer bientôt une autre émission... Où c'est un peu en mode talk show à l'américaine, mais je sais plus du tout comment ça s'appelle. Mais une famille en or avec Combal? Ça a été relancé en avril 2021. Ah ouais, d'accord. Bah à la limite, je préfère Combal. Combal, il a l'humour, mais il est pas vraiment... Il est moins dans les clichés qu'avant.
Il est bienveillant, voilà. Combal, il est bienveillant. Bon, après, la famille en or, ça reste cliché de famille. Classique, quoi. Mais le principe de la famille en or, franchement, c'est un principe que j'aime beaucoup. C'est une émission que j'aurais bien aimé adapter ou animer. Clairement. En émission, vraiment, il y a plein d'émissions que j'aurais aimé animer, en fait. Hop là. C'est quand même mieux que nous. Ah oui, ça c'est clair. Je sais pas, si vous, vous aviez des émissions... Si vous avez des émissions que vous auriez aimé animer sur... Oh, ça y est, je me prends dessus. Ça aurait été quoi? Personnellement, il y a une émission que je rêve d'animer. Vraiment, c'est pas une blague. Non. C'est Télématin. Télématin, c'est une émission que j'aime beaucoup. Parce qu'elle est informative, elle est culturelle. Elle apporte des initiatives alternatives et bienveillantes via des petits reportages de chez France Télé. Alors, la façon dont est construite l'émission, ok, c'est bizarre. Surtout depuis qu'il n'y a plus William Lémergie. Et que c'est sur le plateau, grand plateau de France Télé. Alors que quand c'était le plateau direct, enfin vraiment de Télématin, c'était quand même beaucoup plus convivial. Mais avec de la recette, avec vraiment. C'est une matinale que j'aurais beaucoup aimé animer. Sinon, une émission type quotidien. Avec des chroniques, de l'information, du décryptage d'informations. Une pointe d'humour, mais pas trop. Et surtout, sans être trop non plus dans la dérision. Parce que Yann Barthès a tendance de plus en plus à être dans la dérision. Ça me dérange un peu. Mais après, sinon, c'est une émission que j'aurais bien... un type d'émission que j'aurais bien aimé animer aussi. Et en termes de jeu, ouais, La Famille en Or. Bon, qui veut tout ce qui est autour de Qui veut gagner des millions, bien sûr. Question pour un champion, pas forcément. Parce qu'il faut avoir... un débit et une culture énorme que j'ai pas forcément. Hop là. Tac. Slam. Ouais, slam. Slam plus en participant, pas animation. C'est pas sorcier. Oui, toi c'est pas sorcier, Imra, ouais. Motus. Ouais, Motus ou mot de passe. Ah ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Motus ou mot de passe. C'est en parlant des émissions du matin de France 2, du coup. Vous avez vu que Les Amours s'arrêtent aussi l'année à la rentrée? Il n'y aura plus vraiment de jeux sur la 2 à la rentrée. La grille des programmes de la matinée sur la 2 va complètement changer. J'avais candidaté pour jouer à mot de passe. Bah pareil, mais j'ai jamais été pris. J'ai jamais eu de réponse du truc. Et vu que l'émission s'arrête, tu peux arrêter de candidater. Hein. Bon, on va récupérer des vies. Hein. Non mais ça va en fait, là je peux dépenser autant de vie que je veux, c'est pas très grave. Récupère toutes les caisses, ça fait plus de pommes. Ah ouais. Ah, vous voyez pas le compteur de pommes, il y a la caméra derrière. Ça doit faire 10 ans que je n'ai pas regardé la TV, je savais même pas que ces émissions existaient encore. Ça a été repris, c'est arrêté, c'est revenu, voilà, il y a plein de choses comme ça. Je regarde pas forcément la télé, mais il y a des émissions que je suis quand même. Et sinon, c'est vu que je traîne beaucoup sur l'actualité en fait, je fais énormément de veille médiatique. Pour moi-même ou pour certaines choses en atelier. Oh. Punaise, faut que je ressorte après. Du coup, ouais, il y a des infos que je laisse pas passer, quoi. Si, une émission que j'adore, mais pas forcément pour les personnes qu'il y a dedans, mais pour les questions, pour le principe de l'émission, pour le débit, pour la façon d'animer, c'est le grand concours. Le grand concours des animateurs ou quelque chose comme ça, c'est vraiment une émission que j'adore. Je ne la rate jamais. Même si la dernière c'était avec Alessandra Sublier et je l'ai trouvé vraiment pas bonne en animation. Comment elle s'appelle? Carole Rousseau était excellente. Laurence Boccolini était encore un niveau au-dessus.
Mais Alessandra Sublet, je l'aime vraiment pas dans l'animation du grand concours. J'ai trouvé ça très faux. J'ai trouvé que ça sonnait très très faux. Et voilà, je retombe ici. Ça fait 11 ans depuis, je sais plus, je sais pas en fait. Carte au trésor, merci le vertige. Carte au trésor, ce serait plus en participant qu'en animation. Indétrônable, Carole Rousseau. Boccolini était très très bonne dans l'exercice. Mieux que Carole Rousseau, je trouve. Yes, non, mais je sais plus comment je passe. Comme ça. Comment je l'avais eu lui déjà? Pas comme ça. Ok. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait. J'adore Boccolini. Ah ouais, mais Boccolini, je l'aime beaucoup, beaucoup. Du coup, je suis très curieux. Parce que beaucoup. Alors, Nagui arrête l'émission du midi. Tout le monde veut prendre sa place. Mais l'émission ne s'arrête pas en elle-même. C'est Boccolini qui va prendre sa place dans Tout le monde veut prendre sa place. Et l'émission va un petit peu changer. Il y a la première manche qui sera plus la même. Le décor ne devrait plus être le même non plus. Et Boccolini va vraiment apporter sa touche. Et je trouve que ça va être super intéressant. Donc ça, la version Boccolini commence en août là. Je suis curieux de savoir ce que ça va être. Je vais peut-être commencer à regarder. Et puis, elle a tellement le cœur sur la main, cette femme. Bon, c'est bon les boîtes, là. 42 boîtes. Merci pour le niveau. Enfin, j'ai terminé le niveau. Ça fait juste une heure qu'on est dessus, mais... Bon, on papote, mais bon. Ça fait beaucoup, là, quand même. GG, merci. Attendez, il est où le machin? C'est dans, ça sort de la colonne là? Ok. Oh génial! Il fallait qu'il y ait ces conneries quoi! Sérieusement! Punaise! En fait, c'est probablement parce qu'on papote que tu as passé une heure sur le niveau. Alors, il y a de ça aussi, mais en vrai, t'enlèves le papotage, t'enlèves qu'un quart d'heure, hein, parce que je suis vraiment pas bon. Il va arriver, il va me faire... Je peux pas lancer une... Oh, regardez, il jongle. D'accord. J'en étais sûr qu'il allait faire ça. Je déteste ça. Ah! Bon, bah, j'ai pas compris où était. Bon, bah, j'ai pas compris ça non plus, d'accord. Bon, écoutez bien le jingle, le bruitage, roue de la. Comment ça s'appelle? Famille en or, c'est dans 3 pommes, hein, dans 3 mangues. J'ai fait exprès d'y aller doucement. Ce sont des Wumpa. De quoi, les mangues? Ah oui. Okay. Oh punaise, il y a une TNT nulle. Checkpoint. Et voilà, c'est parti. Effectivement, c'est une cloche de ring. Ouais, on va dire ça.
Tu sautes à l'aveugle, sérieusement, ça saute à l'aveugle, c'est quoi ce jeu? Sur moi, vraiment. J'aime vraiment pas ces trucs. Allez, le retour des chauves-souris. On voit que dalle. Qu'est-ce qui m'attend ? L'araignée était complètement gratuite. Merci, merci. Le placement cam n'est pas optimal. Je n'ai aucun contrôle caméra. Aucun. Pourquoi il y a une pomme là ? Ah, parce que c'est là où il faut aller. Génial. Et voilà, maintenant il y a des brasiers quoi. Des braséros même. Et un, et deux, et braséros. L'araignée. Dans le domaine des choses qui ne devraient pas exister, l'araignée. Bon, ça me dérange déjà moins. Ça va. Arrête de bouger. Pas méga fan, mais ça va. En fait, si. Sinon, on sera envahi de moustiques. Ouais. Le moustique me dérange plus que l'araignée, mais juste parce que c'est chiant. Je vois rien. Le checkpoint il est loin en plus. Non, il m'en manque une. La voilà. Oh la pauvre. Il faudrait un truc moins moche pour chasser les moustiques en fait. Après les moustiques ont un rôle essentiel. Ah bon? Je croyais que scientifiquement on pouvait éliminer les moustiques de la surface de la Terre sans que ça change quoi que ce soit. Tuer 1 million du mien par an. Ah. Juste avec le palu. C'est pas passé loin. C'est pas, c'est dégueulasse. C'est juste dégueulasse. Y a pas que le palu, y a la dengue, mais oui, c'est pas tellement le moustique qui le tue, mais le virus. Ok.
Ouais, j'ai une mangue. Un où on passe. C'est pas passé loin non plus, ouais. Là, faut m'expliquer comment je suis mort. Hein. Oh punaise, y'a un truc là-haut. Je l'ai pas vu, mais y'a un truc là-haut. Oh là là. Là, je viens d'exploser de rire. D'accord, ok. Mais je ne peux pas t'en empêcher. Il faudrait que ce soit comme dans Aladdin. Et lancer des fruits sur les ennemis, ça fonctionne bien. Ce serait plus simple. Ok, d'accord, ça c'est gratuit. Checkpoint. Alors les chauves-souris elles sont passées, on est d'accord, elles repassent pas. Okay. Elles repassent, punaise, bon ça va. Le jeu il a compris que derrière... l'araignée... Hop là. Il a bloqué les portes derrière, je sais pas si vous avez fait gaffe quand je suis passé. Pour me laisser la possibilité de voir ce qui se passe dans le jeu. Le jeu est gentil. Sinon, je change. Il y a de bonnes annonces déjà au sujet de 3. Il y a certaines choses intéressantes. Vraiment. Hop là. Il y a des choses plus étonnantes. Donc, mais c'est, on est loin d'être d'être terminé de toute façon. J'ai relevé quelques jeux indés qui m'intéressent déjà beaucoup. Après, il y a le Game Pass qui va encore s'étoffer. Le Xbox Game Pass qui va encore s'étoffer. C'est un sacré abonnement. Franchement, ça a l'air de valoir. Vraiment le coup, c'est pas une blague. Non, qu'est-ce que je fais? Maintenant. Ok. C'est pas grave. J'ai vu que le PC Game Show, ouais, mais je sais pas si je le suivrai, je prendrai plus, parce qu'il est super tard, je le prendrai plus en replay je pense. Ou en résumé à écrit serait plus simple. Mais là j'attends ça, j'attends le Nintendo Direct de mardi fin d'après-midi. Ouais mais ça commence à 23h30, ça finit à 5h du matin. C'est le PC Gaming Show quoi, c'est quand même la grosse conférence. Il y a une conférence qui m'intrigue aussi, c'est le futur game je sais pas quoi. Là, celle-là, c'est la première fois qu'ils vont la faire. Donc je m'attends à être surpris de ce qu'il peut y avoir dedans. C'est court le... J'ai pas souvenir que le PC Gaming Show soit court. Hein. C'est pas qu'une conférence, c'est vraiment un show. Hein. Je me trompe peut-être, mais...
Sur le programme, 1h30. Oui, voilà, c'est quand même une conférence. 1h30. Y a pas un after après? Après, je sais pas trop, mais c'est pas souvent beaucoup plus qu'une série trailer. Bon, je me trompe sûrement, je dois confondre avec autre chose, mais j'ai pensé que le PC Gaming Show, il y avait pas que des trailers, mais aussi du gameplay. Par contre, le Nintendo de mardi soir, 45 minutes de Nintendo Direct, ce qui est lourd. Mais après 3 heures de Treehouse, 3 heures. Je suivrai que le Direct, le Treehouse se prendra en replay parce qu'entre temps, il y a du mardi Bassound. J'ai hâte de voir les annonces. Mais il y a déjà pas mal d'annonces, hein. Il faut regarder dans le canal jeux vidéo sur Discord, je poste ce qui me semble intéressant et ce qui peut me sembler intéresser certains d'entre vous. Mais il faut pas hésiter à regarder les divers médias jeux vidéo pour voir ce qui peut être intéressant. Mais il y a déjà de très 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 grosses annonces, sans déconner. Notamment Elden Ring, je sais plus. Ymara attendait énormément. On a une date, on a du trailer, on a du gameplay, on a plein de choses. Punaise! Ok. Elden Ring, ouais. Je suis curieux pour le show Capcom. Capcom, il va y avoir des choses intéressantes, mais mais après, c'est des choses très prévisibles. Safe state sur ce jeu, il n'y a pas de safe state. Je vais devoir tout recommencer. Voilà. Fin de partie. On y croit. Après, pour revenir à cette sorte de 3, en vrai, j'espère qu'ils vont pas annoncer trop de choses non plus. Parce que sinon, le budget, il va en prendre un coup, quoi. Punaise. Ils ont déjà parlé d'Elden Ring puisque le trailer officiel est sorti, mais ça m'étonnerait qu'ils en reparlent ce week-end. Oui, non, mais je relevais juste ce qui a déjà été annoncé en fait. Après, ça c'est déjà arrivé que sur deux conférences différentes, on se retrouve avec deux trailers différents du même jeu.
prends le PC Gaming Show et le Xbox Showcase, ça arrive souvent ça. Mince, les pommes, les mangues. Sérieux? J'ai failli glisser. On attend. Il y a des pommes dans le vide là, c'est quoi ce bordel? Me dites pas qu'il y a des trucs invisibles. Hein. Yes, arm. Même pas, je le tente. Bon, les flèches elles m'ont tenté par contre. Génial. Je tenterai pas. Non. Je viens de lire un peu le dernier. Un peu un instant, j'ai cru qu'il s'agissait de Miyazaki, des longs métrages encore. Non, Il y a RR Martin qui est derrière Elden Ring, par contre, il me semble bien, par contre. C'est pas des blagues. Pour la science, non, Imra. Non. Oh, punaise. Ouais, je gagne une vie que je vais perdre. Faut aller où après? Excusez-moi, mais il faut aller où? Ah, ok. Checkpoint, c'est quoi ça? Une araignée. Et une vie. Il est bientôt fini niveau ou... confondu Miyazaki de faire son vrai. Ah oui oui d'accord. Trois vies. Oh merci.
C'est la fin? Oui, c'est la fin. C'était presque la fin. Je reprends là! Oh punaise! Et les 3 vies d'après, je pourrais pas les récupérer quoi. Voilà, elles sont là les 3 vies. Il y a comme une porte au final. 2, 3. Je ferai une pause après la fin du monde. Parce que sinon ça va me foutre le bordel dans mes marqueurs et mes coupures VOD. Faciliter le montage de tout le monde, ça serait bien. C'est déjà assez compliqué de prévoir ça. Je comprends pas comment passer en fait. Ok. Yes. Ah, on travaille pas, c'est vrai. Bon, j'ai raté plein de boîtes, hein. Merci beaucoup. On a fait combien de niveaux là du 3, excusez-moi, mais... On a fait 1, 2, 3, 4... Ok, on attaque le cinquième niveau du monde 2. Autrement dit, on est à la moitié du monde 2. Génial. Je crois que le panneau, il y a écrit danger dessus. Je suis pas sûr, hein. L'Obradine, ça s'est passé comment? Ah! C'est pas fini l'Obradine. C'est pas tout à fait fini. Il reste une petite partie qui sera faite lundi soir. Mais c'était super intéressant. Très compliqué dans la réflexion et la déduction. J'ai entre 15 et 20 personnes sur toute la liste validées, sûr et certain. J'ai une 8 personnes de plus que je pensais avoir bien trouvé, mais en fait ça les valide pas, donc ça veut dire que je me suis planté quelque part. Et toutes les autres, voilà. Néanmoins là j'ai fait tous les chapitres du jeu possible, il me reste à retourner à Londres pour rendre mes conclusions, et par la suite débloquer le dernier chapitre marchandage, qui est en fait quelque part en plein milieu de l'histoire, pour vraiment compléter ce qui manque. Donc je dirais qu'il reste 2-3 heures de jeu encore quand même, donc, mais la suite lundi soir. Sinon, les VOD sont prévus entre le 20 et le 25 juin, je sais plus. Mais elles sont déjà programmées. Ça devient hardcore sur la fin. Ouais, complètement. Je suis obligé de prendre les dégâts là, je comprends pas comment le passer.
quoi. Mais il faut que je saute sur la caisse là. Oh là là. Je comprends pas comment le passer ça. Les planches cassées, tu peux pas sauter dessus. Oh bordel, ok. Pardon. Tu sautes et tu tourbillonnes au milieu. Pas grave, c'est le début du niveau. Merci beaucoup pour la tes souhaits, c'est gentil. Ça, je comprends pas comment le passer. Sauter, tourbillonner. Tu sais, de base, on disait à tes souhaits pour faire signer à quelqu'un qui nous dit. Oui, à l'origine, c'est ça, ouais. Mais ça s'est perdu. Mais la marron, j'arrive pas à toucher la marron. Oui, merci, j'avais compris. Fin de partie. Si tout le niveau est comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Au secours, juste au secours. Sauter. Sauter. Voilà. Là, je comprends pas. Sauter tourbillon. Sauter tourbillon. Sauter petit tourbillon. Sauter. Yes. Ok. Pourquoi il y a un facochère là? Qu'est-ce qu'il fout là le facochère? Et il passe à travers le vide comme ça lui. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça glisse maintenant, mais on est où là?
Il va pas être facile ce niveau. Ouais. Je conteste cette mort. Je la conteste complètement. Les cochons ne peuvent pas être attribués à leur sautant dessus. Ouais, bah j'ai essayé de faire le tourbillon aussi, ça n'a pas fonctionné. J'ai pas réussi. Il y a un facochère après. Faut que j'arrête de faire ça. Il me suit en plus. Il a un traceur GPS. Vas-y, fais-moi mal, j'ai un totem. Voilà. Enfin, un masque plutôt. Fin de partie. Ça, je comprends pas comment le passer sans prendre un dégât. Donc je prends un dégât. Ensuite, lui il m'en kikine, mais à un point. Allez, je le suis. Voilà. Mais il me troll. Il m'a trollé. Ou alors faut sauter en zigzag. Puis quand il est assis, on dirait plus un facochère mais une vache. Non, c'est pas... Ok. Non.
c'est dégueulasse. Pourquoi j'ai choisi des jeux comme ça, sérieusement? Faut pas que je fasse ça. Empêchez-moi de faire ça. Voilà, checkpoint. Checkpoint, il me reste rien en vie. Voilà, bravo. Tu vas faire le 2 et le 3 après? Oui, mais pas aujourd'hui. Dans plusieurs mois. Ou années. GG. Merci, mais bon, game over. Et c'est comme Spyro, hein. Spyro, j'avais fait le 1. Je ferai le 2 et le 3, mais dans longtemps. Enfin, dans longtemps, peut-être. Voilà, enfin, un an ou en décalé. C'est comme j'ai fait Mario 64 en décembre dernier. Peut-être que je ferai Mario Sunshine en décembre là. C'est, pour l'instant, c'est comme ça que je me fixe les choses. Ça peut changer, mais. Voilà, je pense faire. Mario Sunshine en décembre, parce que j'ai fait le dernier, le 64 en décembre dernier. Spyro en février prochain, le 2, parce que voilà. Et du coup, Crash Bandicoot 2 en juin 2022, on va dire ça comme ça. Bien qu'il... peut-être les... Je sais pas, on va voir. Je sais pas. Parce que j'ai quand même Crash 4 et Crash 4 vient de sortir, ça serait bien de surfer un peu dessus sur la vague en mode jeu récent. Et il est gelé Crash 4, il est en face de moi. Là. Mais bon. Quand je vois comment je galère pour le 1, s'il faut se taper le 2 et le 3 avant, vous voyez. Sinon, je me maintiens comme ça, Crash 2 en juin 2022, Crash 3 en juin 2023, Crash 4 en juin 2024, entre-temps, il y aura Crash 5 en juin 2025. On peut partir comme ça. Entre-temps, j'aurai 35 ans, un espace, une maison, 3 enfants. Non, j'aurai jamais d'enfants. J'aurai jamais d'enfants, dites-vous ça. Et un espace non plus, je veux pas de voiture comme ça, ça m'intéresse pas. Je file des bisous les copains et les copines, bisous Imara. Sur Crash Bandicoot Remaster, 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 exactement. 3 enfants en 4 ans? Non mais attends, Ando, je rigole hein. Pistache. Ah non 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 non, j'ai dit juste avant, je ne veux pas d'enfant. J'ai déjà assez comme ça, j'ai... Voilà. Tu peux optimiser le temps en faisant direct des triplés, il est vrai. La galère. Bordel des triplés. Je plains les parents qui ont des enfants... triplé ou plus quoi, les pauvres. Ça doit être une souffrance mentale, une charge mentale énorme. Certains s'en sortent heureux quand même. Je dis pas le contraire. Imagine les cas qui ont défrayé la chronique avec des septutés. Septuplés, ouais. J'ai vu un article récemment, là, comme quoi il y a une personne qui a battu, entre guillemets, un record du monde et qui a mis au monde 10 enfants en même temps. Elle attendait 10 enfants. C'était il y a quelques jours, là, dans certains... sur la presse écrite. Ouais.
cette planche là qui me pose problème maintenant. Yes! Oh, ok, c'est bon. Je sais pas à combien de caisses on est, hein, par contre. Il y a de quoi largement péter un plomb avec 10 bébés. Oh oui, je pense que oui. Préparez-vous pour le game over. Maintenant. Salut ami toulousain, salut Touch. Ça roule. Ouais. Là j'avoue que ça commence à être. Enfin ça commence. Le jeu est très difficile en fait. Et du coup, ça commence à être. La charge mentale et voilà. C'est difficile. J'avais pas à souvenir qu'il était si difficile Crash Bandicoot. Donc bon. Mais après, je crois que dans le canal, je suis le seul Toulousain, hein. Il me semble bien. Je vois personne d'autre, en tout cas, parmi la liste. Et toi, comment tu vas? Le 3 est plus facile? Sérieux, le 3 est plus simple? Ah, ça c'est intéressant, par contre. Ça tombe puisque ça roule. Ouais, complètement. Et toi, Touch, comment tu vas? Sérieusement? J'ai réussi à... Faudra m'expliquer comment j'ai fait là. Toi tu vas bien. Tu sautes et tu trouves une. Ouais, c'est ce que je sais faire. Ça va, je sors d'une grosse semaine, mais enfin un peu de repos. Ah bah écoute, repose-toi, c'est le plus important. Je te l'avais dit au début. Mais je sais, Ando, mais je sais pas comment je fais, en fait. Je comprends le truc qu'il faut faire. Ce que je comprends pas, c'est comment le faire. Comme sauter sur cette planche nulle. Ok. J'en suis où? Ok. J'ai pris le pas des crashs aussi et clairement le 1 est le plus dur. Sérieux? Ah! Ça par contre ça me fait plaisir. Si le 1 est le plus dur, ça peut me motiver plus à faire les autres. Non! Sérieux, j'avais éliminé le sanglier. Le truc c'est en plus je ne sais même pas où j'en suis dans le niveau, si j'en suis loin de la fin, si j'en suis au milieu ou si c'est même que le début en vrai. Après ça fait, il y a 3 checkpoints mais au final en vrai en speedrun il est super court quoi. Sauter, voilà, j'ai sauté mes deux, ça rien. Punaise. Dommage, j'étais invincible.
crois que le jeu a compris que j'étais nul. La marron, bordel, du mi de marron. Sérieusement. Je me souviens sur les placements, les graphismes de la caméra rendaient le jeu encore plus dur. Ah ouais, tu m'étonnes. En speedrun, le jeu est tout court. Oui. Le remaster des propres. Ouais, niveau graphisme, c'est clair. Ça, y a pas photo. C'est comme Spyro, les graphismes, ça change énormément. Alors que quand ils ont sorti Mario 64, qui est un de mes jeux préférés, ils te sortent un lissage HD, t'as l'impression de jouer à Mario 64 d'avant, quoi. Pas mal ce que j'ai fait là. Ça c'est moins pas mal. Comprends, je passe là, c'est hyper dur. Punaise. Non. Fin de partie. GG, merci, mais je galère, quoi. La planche marron.
Il y a une tortue maintenant, bien sûr. Elle a pas atteint l'océan, celle-là. Oh punaise, je sais pourquoi il y a la tortue. Tu progresses. Ouais, je suis en mode tryhard là. J'étais en mode tryhard. Pour sauter, ouais. Oh, flûte. Game over. Fin de partie. Oh punaise, j'ai failli tomber. Non! J'allais récupérer des vies.
tout... Sanglier, va. J'ai reculé. Pendant un moment, j'ai cru que tu pouvais marcher sur les cordes. Non, je pense pas. Non. Je récupère mon masque là. Là, je suis mal parti. Ouais. Cette session de vie perdue là, je suis très mal parti. Je suis très très mal parti. Ouais, voilà. Là, c'était là. Très mal parti. Pourquoi? Sérieux, là je chie dans la colle là. La honte. J'y arrive plus. J'avais un truc sympa tout à l'heure et là de nouveau. Je le sais, en plus pourquoi je me trompe, je le sais. Hein.
pas que j'ai utilisé plus de vie sur ce niveau que sur tous les trucs d'avant, je crois. Ouais, mais ça commence bien. Ok. C'est hyper frustrant, hein. C'est vraiment hyper frustrant. Je comprends ce qu'il faut faire, je le comprends vraiment. Ça se joue à rien, quoi. Je me place pas, je ne me place pas, c'est ça le truc, c'est que je me place pas. Voilà, je fais n'importe quoi et... J'arrive même plus à la tortue de tout à l'heure. Du coup, je vais m'imposer quelque chose, tant pis. Je fais ce try là jusqu'au prochain game over. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, je fais une pause. J'ai besoin de faire une pause.
J'y suis, sérieux. Bon, voilà. Fin de partie. Je vais faire une pause. Tant pis, je couperai la VOD en deux, je ferai un peu de montage, c'est pas grave. Et là, je fais une pause, j'ai vraiment besoin d'une pause. Je reviens, vraiment, je me prends une bonne pause, hein. Je vais le mettre sur l'écran d'accueil. Je reviens vers 17h, je me prends 20 minutes de pause facile. Je laisse l'écran comme ça, je mets un écran de pause. Vraiment 20 minutes de pause, le temps, je vais marcher un peu, je vais prendre un peu le soleil, je vais faire un café, de l'eau, m'étirer. Et voilà, je reviens vers 17h. Je me laisse le stream continuer à tourner, je mets un écran de pause. En attendant, pensez à soutenir la cagnotte, c'est important. Passez l'information autour de vous, pour vos proches, vos amis, tout ça. C'est comme ça qu'on ça fonctionne, surtout le crowdfunding. Vous parlez à trois personnes qui parlent à trois personnes en leur expliquant vraiment le projet. C'est hyper important. À tout à l'heure, du coup.